en forme que nous le sommes ici en studio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Antoine Bertrand. Bonsoir Véronique. Prêt à s'attaquer à une autre émission? Absolument. Accueillons donc nos invités pour cette semaine. Mesdames et messieurs, France Beaudoin, Monique Mercure et Jean-Marc Tarrant. Ouais. Un petit chocolat vide. Elle a le format idéal pour faire ça. C'est rare que j'en ai. Si j'ai un tour de manège, j'aurais été très déçue, je n'avais pas eu un. Il y a toi et Janine Souto qui a eu le droit à ce tour de manège-là. Vous avez à peu près le même poids. Soit l'équivalent de ma cuisse gauche. Bonsoir et bienvenue à vous trois. Merci. Je suis très contente de vous recevoir ce soir. On va faire un formidable voyage dans le temps, j'en suis certaine. On n'en doute même pas. Tout le monde est prêt à commencer? Oui! Monique, vous avez fait votre marque, notamment avec votre audace, hein, que vous avez eue quand même assez tôt en carrière. En 1972, vous avez joué dans Le Paradis terrestre. Vous incarniez ce qu'on appelle de nos jours une cougar, c'est-à-dire une femme un petit peu plus âgée qui a un amant beaucoup plus jeune. Et l'émission a été retirée des ondes suite à la diffusion de cet épisode. Regardez bien. Bernard? Bernard, il y a quelqu'un. Veux-tu ouvrir, s'il te plaît? Bernard, il y a quelqu'un. Il est tout nu. Comme c'est beau. Mais je me suis de ma face. Non. C'est mes cheveux, ça, ou une perruque? C'est une cougar avec une coiffe de lionne. Oui, mais moi, je pense que c'est les vapeurs de spray net qui vous ont drogué. C'est pour ça que vous ne vous en souvenez plus. Mais quelle tête, Bernard! Quand même. Bernard! Bernard! Pas d'un souvenir du paradis terrestre. Je sais même pas ce que c'est. Ben, c'était ça. Mais lui, il est tout nu. Oui! Complètement! Complètement, Monique! Oui. Bon point, Monique. Votre audace, c'est... Jean-Marc, tu voudrais-tu sentir, s'il te plaît, le verre à Monique? C'est du Decaiper qu'il y a là-dedans. France, tu as commencé comme lectrice de nouvelles, toi, oui. À TQS oui. Sherbrooke. Oui. Question ce midi également d'une importante saisie de machines vidéo poker, des machines qui appartenaient pour la plupart à M. Guy Dion de Sherbrooke, cet homme d'affaires interrogé récemment en rapport avec le réseau d'importation de cocaïne. Tu as fait ça pas longtemps? J'ai fait ça pendant un an. En fait, j'étais reporter avant à la télé et à la radio. Puis un vendredi, le boss me dit il doit y avoir un changement. Je pense que la lectrice avait une promotion ailleurs sur autre chose. Lundi matin, tu lis le bulletin de nouvelles, tu présentes le bulletin de nouvelles. J'avais jamais fait ça de ma vie, évidemment. Puis dans ce temps-là, c'était pas les télésouffleurs comme on les connaît maintenant, qui sont plus informatisés. Hein. C'était vraiment... un nain en dessous du pupitre qui disait le texte. Une petite personne. T'avais une pédale par terre. Ah, on dit un homosexuel. Oh! Excusez. T'arrêtes. Merci, Diane. Je vais quand même... Diane, qu'est-ce qu'on boit? J'en ai un petit peu dans la fourche aussi. Bon, regarde-toi. Bon, pour faire tu une disais... Tu devais vraiment activer ça. Tu avais une pédale, tu avais un reculon là-dessus, tu avais tout ce qu'il fallait. Et j'étais tellement, mais tellement nerveuse parce que moi, à l'ondes, dans la vie, c'était pas un but. Hein. Moi, je voulais être en arrière des caméras. Donc, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose, surtout au début, mais surtout au début, ça me traumatisait vraiment. Alors, j'ai ça à gérer en même temps. Puis là, c'est l'actualité internationale autant que nationale. Puis je suis jeune, tu sais, je suis jeune pour faire ça.
Et j'étais tellement nerveuse, là, mais tellement, qu'à un moment donné, je me suis mise à avoir des points noirs. J'avais les oreilles qui bouchaient, tu sais, comme si tu vas perdre connaissance. J'avais une chaise à roulettes avec la pédale en arrière. J'essayais de tenir ça. J'avais juste hâte que le reportage parte. J'étais sûre que j'allais canter par en arrière, j'allais partir. Ça... Mais après, je me suis mise à aimer ça, mais sur le coup, plus rough un peu. Cette expérience plutôt douloureuse, disons, t'a quand même mené à autre chose, à une très belle carrière. On a donc retrouvé France Beaudoin à La Vie en Estrie en 1992. Et là, regardez bien, je pense que les animatrices avaient une prime à chaque fois qu'elles disaient le mot « spectacle ». En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue en voyant cet extrait. Bon midi tout le monde. Vous venez d'entendre les membres de la chorale La Farandole de Racine, les membres de la chorale qui sont avec nous aujourd'hui. Pour toute l'émission, ils ont un spectacle à venir au cours des prochains jours. Nous aurons l'occasion de vous donner tous les détails de ce spectacle d'ici la fin de l'émission. Et parlant de spectacle, eh bien, vous savez que Céline Dion était de passage en région en fin de semaine. Elle était au Centre culturel de Drummondville samedi soir. Elle était hier soir à la salle Maurice Aubrédé de l'Université de Sherbrooke. Et dans les deux cas, hein, ça a été un très, très bon spectacle. On avait même l'impression sur place d'avoir droit à un spectacle un peu intime de Céline Dion, après l'avoir vu sur les grandes chaînes américaines, sur les grandes scènes américaines aussi. Un spectacle, donc, qui est très, très bien rodé. Si vous avez la chance d'aller voir Céline Dion en spectacle, je pense que c'est très certainement un bon choix à faire. Happy Seven. Du temps. Visiblement, ce coup-là, ah, t'es tiré, là. Solide. Oui. OK. Oui, sauf le cheveu. J'ai tiré, sauf le cheveu. Jean-Marc, tu as véritablement lancé ta carrière, c'est le numéro de l'handicapé en 88. On ne pouvait pas passer à côté. Un matin, 7 heures du matin, je me lève, plante en pleine face. Maudite pantoufle. Je m'habille, je déjeune, je me rhabille. Je peux te dire une affaire, je peux te conter une histoire par rapport à ça. J'étais en vacances au Mexique avec des amis, puis c'était à peu près à la même époque, je veux dire, peut-être 2 ans après. Puis bon, on faisait bien des farces avec ça, et j'étais embarqué dans un autobus avec que des touristes, allemands, français, américains, québécois. Et lui, il n'a aucune idée, je suis qui, il n'a aucune idée. Et j'étais dans l'autobus comme ça. On allait comme ça dans l'autobus. Je demandais, I go to the beach. Puis tout le long, le monde a joué. Ils ont été fins avec moi dans l'autobus. Quand on est arrivé. Quand on est arrivé à destination, je me suis levé, pris mon sac, mes bébelles. Bye, thank you. On sait que Monique Mercure n'aime pas particulièrement parler de cet épisode dans sa carrière, mais on s'est dit qu'on allait régler ça tout de suite. On y est quand même assez tôt dans l'émission. On va parler de deux femmes en or. Revoyons un extrait. Ben oui! Monique Mercure n'aime pas particulièrement parler de cet épisode dans sa carrière, mais on s'est dit qu'on allait régler ça tout de suite. On y est quand même assez tôt dans l'émission. On va parler de deux femmes en or. Revoyons un extrait. Ben oui. À nos compagnies nous disent tout le temps ça. Ils disent, les gars, arrangez-vous pour que ça marche. Sans ça, ça ne marchera pas. Vous êtes drôles, vous? Ah oui. C'est comme ça qu'on est venu la plus grosse compagnie de téléphone, nous autres. On est la plus grosse compagnie de téléphone. Vous rendez-vous compte de ça, vous? Vous êtes la seule. Ah oui, mais même s'il y en aura d'autres, on sera plus grosse pareil. Ben, check avec l'office, là. Allô? Alfred? Non, c'est juste un check, ça, là. Allô? C'est un appel, personne à personne. Hey, madame, vous êtes pas pluguée, là, vous? C'est-tu nono, les femmes? Pas ça, mais c'est une bonne scène. C'est efficace. C'est improvisé, tout ça. C'est vrai? Il n'y avait pas un mot de texte d'écrit. Et que Yvon, ben, il y a eu un fond noir, évidemment, à improviser. Puis moi, puis à jouer avec je ne me pensais pas improvisatrice, mais alors là, le truc du... Je veux dire, aller chercher l'espèce d'appareil, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très ligne, bon, évidemment. Allô? Moi, j'adore. Allô? Oui. La fameuse deuxième ligne. Allô? Je vous pardonne. Oh, c'est gentil, Monique, c'est gentil. France, tu as animé une émission qui s'appelle Bec et Museau, dont plusieurs se souviennent sûrement. Oh,
Hey, bonjour et bienvenue chez Pénélope McQuaid. Au moment où l'on enregistre cette émission-ci, Pénélope est toujours en onde. Elle est au travail au moment où l'on se parle, mais elle a eu la générosité de nous refiler les clés de son appartement pour qu'on puisse venir s'installer en l'attendant. Alors, vous comprendrez qu'on ne vous propose pas aujourd'hui un spécial chien de garde. On va plutôt vous parler de ses chats, Sushi et Sashi. Ouais, j'ai pas tourné le fer dans la plaie, mais on dirait que t'as un chat dans la gorge. Ben, tu sais quoi? Ouais. Je me suis aperçue en faisant ce... Je savais que j'étais allergique aux chats, mais je savais pas jusqu'où. Je suis allergique aux chevaux également. J'ai été désensibilisée avec le temps, mais c'est ça. Donc, la voix, c'est que je suis allergique aux chats. Mais je sais que c'est pas supposé avoir du poil, ces chats-là, qu'elle avait. Je me souviens pas trop, mais je sais qu'on avait fait autre chose le matin, et c'est l'allergie, peut-être des chevaux du matin, mais c'est l'allergie. T'as fait perdre la voix. C'était ça. Carrément. Ouais. Moi, j'aime bien ton look. On dirait que tu étais guide au parc safari dans tes temps libres. À Maison des reptiles, on dit France, ensuite, tu as animé beaucoup, beaucoup d'émissions de télé. Tu t'es retrouvée ici à Radio-Canada avec ton propre talk show, Bon Baiser de France, qui t'a valu une parodie dans le Bye-Bye de RBO. Revoyons une Julie Perrault fort efficace. Hey, Gab, je vais te faire un flip-flop. Parlant de flop, mon prochain invité vient nous parler de son dernier film, Denis Arcand. Bonsoir, France. Denis, ton film L'âge de ténèbres est enfin sorti et les critiques sont unanimes. On peut dire ça, oui. Parlant ténébreuse, Éric Gagné, tu traverses une période difficile. Tu te parles à Jean-Marc avec ta main? On le fait souvent ici à l'émission, on diffuse des parodies puis on demande aux gens comment ils ont reçu ça, comment ça a été perçu. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Bien, quand tu vois ça probablement en direct, chez nous, et ça n'a rien à voir avec toi, là, chez nous, on n'a pas la culture du bye-bye. On n'a jamais écouté un bye-bye en direct parce que c'est notre plus gros party de l'année, c'est notre grosse affaire. Donc, je ne l'ai pas écouté ce soir-là, on ne l'a pas enregistré non plus. J'ai eu la chance d'avoir les répercussions avant de savoir ce qui avait été fait. Donc, les journalistes qui téléphonaient, la famille ou autour qui avaient vu des gens. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ça. Ça t'a préparé. Ça, ben, oui, j'imagine que quand tu le regardes, puis que tu ne sais pas, puis que ça rentre au pas ce soir, puis que tu... C'est sûr que tu dois te regarder, oh, la caricature qui vient. J'ai eu la chance d'avoir le feedback avant en me disant... C'est pas méchant, c'est pas grave, l'intention est pas de... Donc, j'ai eu cette chance-là pour absorber la patente avant de le voir. Jean-Marc, toi, t'es très, très à l'aise sur une scène. T'es presque comme dans ton salon. Hein? Quand tu montes sur scène, tu peux y rester très, très, très longtemps. Tu l'as prouvé à plusieurs reprises. Tu peux même faire une nuit complète. Voici un extrait d'un reportage où t'avais fait une nuit complète sur scène avec tes fans. Il est 1h du matin, le party. As-tu dans ça, Flo, s'il te plaît? Bon, dis que t'es cochonne bien. Hey, y en a-t-il qui en louent des films de qui? Ouais. Les films de qui, on écoute ça avec Fast Forward. Ah, le petit gars d'11 ans, il est plus là. Il va vivre ses premières expériences. Je suis capable d'arrêter! Arrête, tu vas y arracher! Ah, c'est dégueulasse! Ah, imagine-toi s'il savait qu'on aimait les regarder, là. C'est la première que j'avais fait. Je me rappelle, j'avais demandé juste pour rire à Gisèle Barry, qui s'occupait des spectacles, que tu vas connaître. Il m'avait demandé, nous ferais-tu quelque chose de différent juste pour rire? Moi, j'avais commencé à improviser pas mal avec les spectacles. J'avais dit, ben, je peux vous faire une nuit au complet. On part le soir à minuit, puis on se rend à 8 h le matin. Et à l'époque, c'était Air Canada qui était commanditaire. Je dis, demandez-leur qu'ils nous fournissent des oreillers d'avion et des petites couvertures. Et ça avait tellement bien fonctionné qu'après cette soirée-là, on a fait une tournée qui a duré 2 ans. On faisait 8 heures dans toutes les salles de la province. Puis le plus long que j'ai fait, c'est 24 heures. Hey. Au Théâtre Saint-Denis, on est parti de 9 heures le soir, le samedi soir à 9 heures le dimanche soir. Aïe, aïe, aïe. Pas d'entraque, pas de break, hey, on débile. En jase un coup. Mais Jean-Marc, les gens ne quittaient pas, là. Non, tu sais, ils faisaient un petit somme, pas pour ça, ils revenaient. Oui, il y avait 1500 personnes. S'il en reste 50, on s'entend que j'ai réussi pareil, tu sais. Mais au bout de 24 heures, on avait fini
un peu plus. Il y avait 1570 personnes. Il y a des gens qui s'étaient ajoutés. Droit, qui s'étaient ajoutés pendant la soirée. Mais je ne referais pas, je pense, des 24 heures. Non, je serais trop fatigué, j'aurais trop peur. J'aurais peur qu'il arrive ci, qu'il arrive ça. Pas t'enlever de crédit, mais je pense que j'ai découvert pourquoi tu es capable de faire une nuit complète. C'est parce que tu as une doubleuse. Regarde le gars! Accroche-toi à la maison, c'est le temps. Moi, ma mère, ces images-là me donnent des frissons. Nous avons sur le plateau France Baudouin. France, on te sait très gentil, mais t'es aussi capable d'avoir de la répartie. Hein? Regarde bien ceci. Est-ce que c'est difficile d'être mère puis de gérer sa carrière en même temps? C'est puis je parle pas pour moi, mais je parle pour toutes les femmes qui, quand t'es dedans, tu le fais, puis garde tes ressources, puis ça passe. Quand tu regardes ça en arrière, tu fais « Hey boy », tu sais, parle-moi. Ouais, je comprends que t'as lâché deux filles là, un matin, c'est plate en hostie, ces questions-là, ça n'a pas de sens. Hey! Est-ce que t'as des enfants, toi? Non, j'ai pas d'enfants, j'ai deux chiens, moi. Ah, est-ce qu'on salue le fait qu'il se reproduit pas? Qui tu peux y aller, et c'est le fun aussi, mais j'adore Jean-François Mercier, je l'ai dit haut et fort depuis toujours. J'aime le fait que... on a eu une discussion justement l'autre jour tellement intéressante aussi sur quand est-ce que ça va trop loin. Oui, puis même dans une quotidienne, pas besoin de faire de l'humour aussi. Tu sais, des fois, il faut que tu fasses du show. Puis qu'est-ce qu'on fait des fois pour le show, justement? Appelez-moi quand vous avez ça, ces discussions-là, je vais prendre des notes. Quand est-ce que c'est trop loin? Quand est-ce que ça va trop loin? Ben ouais. Ouais, t'aurais vraiment dû inviter Antoine. Monique, vous avez joué dans certains des films les plus importants du cinéma québécois. Revoyons un extrait de Mon oncle Antoine de Claude Jutras. Est-ce que vous l'avez reçu? Oui. Je l'ai mise en haut. Voulez-vous l'essayer? Vous êtes jolie! Vous savez, dans ce temps-là, je vous trouve magnifique, moi, dans ce film. Il n'y avait pas de maquillage. C'est vrai? Je m'étais maquillée moi-même. Je m'étais mis des faux cils pour Alexandrine. Ah oui? Qui allait chercher son corset. Franchement, là, c'était un peu fort, les faux cils, je trouve. Non, mais c'est beau. Je trouve que vous avez une classe. Ah, mais l'allure. J'avais choisi mon costume. Ah oui? Et puis Claude, le merveilleux Claude Dutra, que j'aime d'amour. Ah, Claude, je t'aime. Toute ma vie, je t'aimerai. Puis j'avais trouvé une façon, ça... En montant l'escalier, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Si avec mon col de fourrure, je regardais mon public, puis là, je faisais, oh, la caméra est là, je faisais... avec le col! Alors, vous regardiez directement dans la lentille, quoi? Non, je regardais mon public. <C'est ça. rire> Mais la caméra n'était pas loin. Une vraie poudre. oui, tout à fait. France, tu devais pas faire ta carrière, toi, dans les communications. Tu voulais être coiffeuse. Non. Tu étais restée coiffeuse, là, comme tu étais supposée rester coiffeuse, là. Ça serait pas arrivé, tout ça. Non. Mais dans le fond, j'y touche quand même, hein. C'est ça, avec les ailes, dans le fond. Je me trouve à y toucher, à baigner dans ce milieu-là quand même. Ma mère était coiffeuse, donc j'ai baigné très jeune dans cet univers-là. Seigneur. Et après, ma première année de cégep, j'ai failli tout foutre là. En fait, j'ai tout foutu là. Puis j'ai décidé de m'en aller en coiffure. Je suis même allée visiter des écoles de coiffure à Sherbrooke. D'appoint, juste pour moi-même. C'est ça que Daniel a juste envie d'y tirer le spring. Non, mais c'est très drôle que tu parles de ça avec une coiffure même assez particulière. Oui, surtout que c'est ça, j'ai eu du mal à dompter la bête longtemps. Tu sais, je me réveille à ranger le même, moi, le matin, puis ça me prend quand même du travail. Ah, je le sais encore. T'as une grosse tête frisée. Moi, j'ai la grosse tête. Ah, donc, j'ai la tête large de même. Jean-Marc Parent a marqué une époque ici au Québec avec l'heure JMP. Ça a été vraiment, ça a été un phénomène. Et pour ceux qui ont oublié à quel point c'était quelque chose, là, on va regarder des images. Souvenez-vous de l'époque où on flashait nos lumières le dimanche soir. Les maisons, lâchez les chips, lâchez tout. Il vit au bout de bout. Allumez une
lumières, OK? Flash les lumières dehors, puis les maisons vont se regarder de maison à l'autre. Ah, ça serait trippant, ouais. Ça! Accroche-vous à maison, c'est le temps. Flash tes lumières si tu t'ennuies. Flash tes lumières, tu vas le faire aussi. Flash tes lumières, comme c'est de pire. Moi, Jean-Marc, ces images-là me donnent des frissons. C'est moi, quand je vois le logo de la Molson là, qui flash, là, c'était vraiment ça exceptionnel. Ça avait déboulé, ça. Mon expérience avant, c'était les forums. Ouais. Ce que je faisais faire à l'époque d'Instinct, je faisais jouer de la guitare aux gens, faire semblant. Oui. Puis on le faisait, c'était bien trippant. Et quand je suis arrivé en télé, je n'avais jamais fait de télé de ma vie. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Et quand je voyais les caméras comme ça allumées, ils m'allumaient. Moi, dans ma tête, je réalisais, je disais, ah, il y a du monde qui me regarde. Mais je le réalisais là. Mais j'ai aucune idée combien qui me regardent. Puis... Fait que je me disais, qu'est-ce que je le ferais bien faire? Je ne peux pas faire ça, je ne le verrais pas. C'est là que c'était venu bien spontané. Ben, j'avais tout un interrupteur sur le bord de la porte. Je dis, faites-le flasher. Mais ce que je faisais, là, j'avais aucune idée ce que ça donnait l'autre bout, moi. Je dis, non, je fais ça pour le trip de le faire. Fait que je disais à Red, je pars une tonne, on flash les lumières, ça doit être écœurant. Mais j'étais tout seul dans ma tête. J'avais aucune idée que ça flashait alentour. Et on l'a su par des gens qui écoutaient, qui envoyaient des vidéos de leur rue. Okay. Et quand on a vu ça, la rue, hein? Ça fonctionne. L'avion aussi. L'avion, c'est que là, j'avais été chez Royal chercher l'avion, qui est une bien belle anecdote. J'étais allé parce que les producteurs ne me croyaient pas pantoute. Puis ils disaient, voyons, Jean-Marc, on va pas chercher un avion de même. Ben, tu sais pas, t'es bien qu'elle est demandé. Mais pour eux autres, c'était comme impossible. Puis j'étais allé comme en cachette. Tu sais, je dis, je vais y aller pareil. Puis j'étais allé dans le bureau, je me rappelle encore du monsieur, je peux même dire son nom, Jimmy Cabé, il était là en avant. Puis c'était comme dans les films de James Bond. Tu sais, ils ont un avion sur un pied de même, puis un autre avion sur un pied en plastique, puis il était de même. Puis moi, je rentre à en avant, je dis, bon, je te connais un petit peu, je t'ai vu à la TV, j'imagine que tu veux organiser un voyage, faire gagner des gagnants. Pas de ta fête. Je me sors en avion. Ah, il part à rire, il a trouvé bien bonne, il dit, OK, il dit, on va te prêter ça. Il me vendait, tu sais, les pamphlets, les dépliants avec les modèles d'avions. Quel tu veux? Non, c'est ça, il m'a demandé, il dit, gars, là, j'ai demandé au grand patron, on est capable d'aller là. C'est un ATR 47. Il y a 45 places avec deux moteurs à hélice. Puis j'avais retourné le papier de même devant lui. J'ai dit, ouais, ça, on... mais moi, je vais prendre lui. Et c'était un 737. Puis là, on était à Québec, à l'aéroport Jean Lesage. Et là, le public était rentré, tout le monde était comme ici. Et l'avion n'arrivait pas. Fait que là, ils ont tous ri de moi. Tout le monde riait de moi. Ils ont dit, c'est cool que tu as fait, mais tu sais bien qu'ils ne viendront pas avec un avion. Hey, attends. Puis à un moment donné, quoi, le gars, je le compte, j'ai un frisson, là, c'était bien le fun. J'étais en dedans. L'émission commençait. Il n'y avait pas d'avion. Puis maintenant, on entend. On sort dehors, on rouvre les portes, tout le monde était dehors. Là, il dit, ben oui, l'avion, c'est normal, c'est un aéroport, il y en a plein. Qui s'en viennent vers moi, il n'y en a pas plein. Il y en a un. Et j'ai vraiment vécu un trip parce que l'avion est arrivé. Le gars, c'est. Ben, le gars, il est. Il a fait une passe de bric à bras, il a ouvert la porte. Ah ouais, Jean-Marc, t'es pas bien loin. Quand l'avion est arrivé, moi, les gars, je connaissais pas. Ils ont débarqué de l'avion, ils ont dit, hey, on s'excuse, on était à Cuba, on est là, il est-tu trop tard? Parfait, là, je regarde les autres. Bon. On commence. Vraiment. Bon, ben, pour aller à la fin, je me demandais qu'est-ce que tu dirais de se remettre dans l'ambiance. Reg, porno à toune et flashons les lumières du studio. Tes lumières, si tu t'ennuies, flash tes lumières, tu vas le faire aussi. Flash tes lumières, dancing the beat. On va retourner en train de la télé. On va commencer avec France qui a animé l'émission Les ailes de la mode. Et on a un extrait de la dernière émission que tu as animée où, exceptionnellement, tu avais pris la chaise de l'invité. Et c'est Michel Barrette qui animait et qui fouillait dans tes vêtements. Regarde, je dis... Ah, que c'est bon! Je m'en vais, regarde, je vais! Veux-tu m'expliquer? T'es quelqu'un qui a beaucoup de goût. Si t'es quelqu'un qui a beaucoup de goût, qui anime quand même une émission qui parle entre autres de mode, qu'est-ce que ça, ça fait dans ta garde-robe? Une jaquette orange? Maman! Je veux dire... Je sais pas, est-ce que c'est une ancienne hippie? Si vous voulez savoir de quoi France a l'air le soir,
C'est comme ça que ça vit. C'est pas vrai, qui a sorti ça? Les forces armées canadiennes nous l'ont rendu. Oui, d'ailleurs, ton chien m'en a parlé tantôt. Il y a des petits trous ici, ça, ça vient pas avec. Hein. Veux-tu m'expliquer qu'est-ce que ça fait, ce petit trou-là? Approche-toi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez trouvé ça? Explique-moi ce trou-là. Écoute, c'est mon chien qui mange les vêtements. Comment s'appelle ton chien? Mon chien s'appelle Chou-Clair. C'est pas un chien de garde, comme vous pouvez le voir. Wow. Précautions. Ça va aller s'en chercher un autre! Qu'est-ce que... Solidarité féminine, prends-le! Okay. Merci! Tout à l'heure, il m'a dit que j'étais pas allée assez fort pendant la pause. Fait que vas-y, mon homme. Ah, puis what the fuck? Qu'est-ce que ton chien a d'affaire à aller gruger dans cette zone-là? Okay. C'est pas mon... Si je pouvais juste avoir trois jeans puis deux t-shirts dans ma vie, combien de fois, il vous le dirait à bon baiser, entre autres, combien de fois j'ai oublié de me changer avant de rentrer en nombre? C'est okay. Pas une joke, là. Il y avait beau préparer le kit et tout. Moi, pour moi, là, c'est... J'ai dû apprendre. C'est pas important. Non, j'ai eu des plaintes, là. Tu sais, j'ai eu des patrons qui me l'ont dit dans la vie, et avec raison, là. Ben, tu sais, on fait un métier d'image, ça prend un minimum. C'est vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre. Moi, jeans, t-shirt, running, ma garde-robe serait faite. Ça serait correct. Je te présente Jean-Marc Parent, qui a fait toute cette instant de carrière là-dessus. Ben, ouais. Jean-Marc, un moment marquant certainement dans ta carrière, c'est le fait d'avoir joué dans un film qui s'est rendu jusqu'aux Oscars. Tu étais de la distribution des Invasions. Attendez. Quoi? C'est beau. Je voulais juste donner le temps à Christian Bégin de changer de poste. Il y a deux humoristes dans le prochain extrait. Voilà. Alors, ce que je veux faire aménager, c'est une chambre sur cet étage-ci. Je vais vous indiquer. C'est juste... Hey, regarde, là. Il n'y a rien qui va se faire ici sans syndicat, OK? Ça va commencer avec le syndicat. Puis ça va finir avec le syndicat. Ça me semble que c'est clair, ça. Pourquoi vous pensez que je commence par vous? Ici, il faudrait repeindre, laver le plancher, nettoyer. Hey, excuse. En ce moment, tu t'en rends peut-être pas compte, là, mais t'es en train de me parler de temps supplémentaire, toi. Puis moi, mes gars, payer cash. Pas... Cash? Cash. Un peintre. Deux. 6 heures. 8. À combien? 40. 35. Je veux un lit, des rideaux, des meubles, des fauteuils dans la salle. Hey, regarde là, ça, c'est pas nous autres, OK? Vous engagez des gens, vous les payez, vous faites la supervision, vous me chargez des frais raisonnables d'administration. Raisonnables? Au-dessus de 25 %. Je vous remets 2 500 pour aujourd'hui. On ajustera nos comptes à tous les deux jours. Qui l'a cru? Ouais, Jean-Marc Parent à Cannes? Oui, effectivement. Tu rentres en short à Cannes? Écoute, non! Mais j'aurais aimé ça, hein? Mais l'époque était passée. Le toxique d'eau, puis juste l'époque était passée. Mais remarque, ça a été, écoute, ça a été 3 minutes, je pense, d'une journée de tournage que j'ai jamais regretté. Ça m'a fait voyager, ces 3 minutes-là. Et j'étais avec un gars que j'aime beaucoup, que j'aime encore beaucoup, Stéphane Rousseau. Et c'est Denis Arcand. Moi, je suis très complexé, hein, comme je l'ai dit tantôt. Puis moi, aller jouer d'un film de même, c'était donc pas ma tasse de thé, comme on dit. Je dis non, moi, pas sûr que je sois bien bon comédien. Tu te sentais pas à la hauteur? Non, je me débrouille bien sur un stage. Ça, je suis assez à l'aise, je suis bien. Et c'est Dominique bon. Michel qui m'a appelé 7-8 fois certain. Elle m'appelait chez nous régulièrement. Elle m'a dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Dominique a dit, tu réalises pas, là. C'est parce que tu réalises pas. Elle dit, c'est Denis Arcand, moi. Puis je la connaissais, Denis Arcand, j'ai adoré tout ce qu'il a fait, a dit, il faut que tu y ailles, Jean-Marc. Elle dit, il veut pas te faire passer d'audition, il veut rien de ça. Il veut que ça soit toi. Oui, mais je dis, il me connaît pas. Il doit te connaître assez. Il veut. Et à un moment donné, bon, ben, je dis, OK, je vais y aller. Mais ça s'est tellement fait vite. J'ai dit oui une semaine, puis la semaine après, on tournait, je suis arrivé à 1 heure. Puis quand il m'avait dit, j'ai dit, est-ce que je tourne avec Stéphane? Faut-tu être bébé? Il dit, oui, la scène, c'est avec Stéphane. Bon, je vais. Parce qu'il n'y a pas d'autres sécurité. Acteurs des Invasions barbares qui t'intéressaient. Oui, ben, non, mais les autres m'intimidaient.
Les autres m'intimidaient. Ouais, j'ai déjà fait quelques films, Les peaux cassées, avec Gilbert Sicotte. Entre... Moi, d'ailleurs, en passant, je suis vraiment en admiration, toi y compris. Les acteurs qu'il y a ici au Québec, moi, je trouve que c'est le summum. On n'a rien envie au reste de la planète. Tu m'as déjà dit ça, que t'es très fan de ce que tu fais. C'est incroyable. Je regarde tout. Je suis là, moi. Oh, Tu as vu ce que j'ai dit? Tous les acteurs, je trouve qu'on a des calibres ici, là, hallucinants. Et quand je joue devant, mettons, un acteur chevronné, justement, comme Monique ou comme Gilbert Sicotte, je suis tellement nerveux que je pars à rire comme une dingue. Je ris. Je ris parce que je trouve qu'il est trop bon. Puis on dirait que je le regarde. Hey, c'était ça. Ah, tu tombes avec ta mère. Je ne sais pas pour te retourner compliment d'usage, mais la scène, elle marche vraiment très bien. Ah oui, ben. Quand j'avais vu le film, donc. T'as l'air full patch bon. Indiqué. C'est vrai. Ouais. Mais c'est très vrai. J'ai adoré, en tout cas. On a eu bien du fun à Cannes après. Une danse, ça glousse. Ça glousse. Ça rit pas. Monique, parmi les archives les plus touchantes qu'on puisse vous présenter, oui, non, mais là, ce sont des images qui vont sûrement beaucoup vous toucher. Et avec raison, on a des images de vous avec vos enfants. Oh! Une performance à la télé que vous avez fait ensemble. Oh! Signal allait porter Sarah Jobel. Les amants racontèrent romances aux hirondelles. On s'embrassait le dimanche sous l'ombrelle. J'ai l'âme en peine, elle m'est infidèle. Elle lui dit tout bas à l'oreille, ne t'en fais pas, elles sont toutes pareilles. C'est ma belle Michèle qui avait composé cette chanson-là. Christian, qui joue du sitar, et puis mon Daniel, que j'ai perdu au printemps, qui m'accompagnait dans une sonate de Brahms. Oh, je pensais pas que vous aviez gardé ça. Mais... Ils sont beaux, hein? Ah oui, ils sont beaux. Puis moi aussi. Ah oui! Non, mais c'est de toute beauté de vous voir sur l'écran. On a vu l'ambulance arriver, tu sais qu'on est dans les loges. Oui. J'entendais sirène. Là, je vois Sylvia rentrer, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un de ma salle. Depuis maintenant deux saisons en direct de l'univers, vraiment agrémente nos samedis soirs. Et France, tu es donc à l'origine de cette émission, de ce concept qui nous présente souvent des moments rigolos, mais aussi beaucoup de moments très, très touchants. Oui. Et voici un moment marquant des derniers mois, c'est-à-dire l'épisode mettant en vedette Dominique Michel, qui a été l'émission la plus regardée, je pense. Hein? Moment. Est-ce que c'est l'émission qui te rend la plus fière dans toute ta carrière, France? Oui, il y a des fois dans vie où tu as l'impression d'être ton X, là, qu'ils disent. Là. Et ça, définitivement, c'est c'est une émission où tu ne perds pas d'énergie, c'est de la job, hein, s'il vous plaît. Là. Mais c'est autant de plaisir et de reconnaissance. Et c'est du bonheur de la première minute à la dernière minute. Plus que bec et museau.
à peu près pareil. Mais France, sérieusement, c'est presque un mini-gala par oui. semaine. Hein? C'est de la job. Et moi, je lève le semaine. Chapeau à toute l'équipe technique, recherche, réalisation, mise en scène. C'est un travail de moine, mais c'est tellement valorisant. C'est tellement le fun. C'est vraiment du bonheur de la première à la dernière minute. Puis quand on a commencé à faire cette émission-là, on entendait beaucoup, nous, la musique, ça ne pogne pas à TV. Hein? On a dû l'entendre aussi. La musique, c'est plus dur à TV. On entendait plein de choses. Puis nous autres, on disait non, la musique, c'est des empreintes de souvenirs. C'est pas du bruit. C'est pas, il n'y a rien comme la musique, comme les odeurs, te ramener exactement où tu étais. Oui. Ça te ramène automatiquement où tu étais au moment où tu vivais quelque chose. Donc, c'est ça. Pour nous, il y a une fierté là-dedans. Oui. Monique, vous avez été récompensée pour votre rôle dans Providence. Ouais. Et vous êtes éternelle dans ce téléroman-là. Ah oui, je meurs presque... tout le temps. Hey, non, mais ça finissait plus. Moi, j'ai tellement eu de difficultés à suivre l'histoire. Mais revoyons un extrait pour cette grande performance. J'ai pas plus envie que toi de finir mes jours en prison. Parce que c'est toi. C'est toi qui es responsable des ossements qui ont été retrouvés dans la cave de la maison. C'est toi qui as tué et enterré cet homme-là. Je l'ai fait pour toi. Quoi? Fais-moi pas parler pour rien. C'est pas un mauvais souvenir juste pour toi, Edith. J'étais en train de virer fou. Je t'aimais, moi, Chris. Loin de moi, je vous donnerai jamais de leçon d'acting, Monique, mais un fusil comme ça, c'est pas crédible. Il faut plus le prendre de côté. Mais non, il faut comme ça. Mais oui. Monique Mercure, mais tu as bien raison. 50 cents. C'est un gangsta. Ça pesait, Moses, ça pesait une tonne, cette affaire-là. C'est un vrai. Oh. Et il pesait lourd. C'était terrible. Je ne savais pas comment le tenir. Providence s'est terminée l'automne dernier aux grandes dames des fidèles hein, qui ont tellement aimé cette émission-là. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait, la fin, le deuil de cette émission-là? Ça faisait un an qu'on savait à peu près, qu'on s'en doutait que ça finirait. Alors, le deuil commence. Boudoum, boudoum, boudoum. On commence à s'y faire. Et puis, on a terminé le neuf août. On a beaucoup pleuré. À la dernière prise, la dernière séquence, le dernier plan. Mais qu'est-ce que je ne vis pas de regrets. C'est la vie. Puis j'ai été très chanceuse à mon âge, à 74 ans, avoir un premier rôle. Vous avez 74 ans? Non, j'ai 81. Ah! J'ai eu la même réaction dans ce mariage. Mais voyons donc, vous n'avez pas 81 ans. Mais bien sûr. Mais je vous aime donc. Hein? Attendez, je vous ai dit que pour l'action. Arrêtez. C'est pas gêné, mais ce sont des gènes. Ah. Des bons gènes. Oui. Oui. Mon père s'appelait Eugène. Jean-Marc, tu as eu des années où on t'a moins vu. Et en 2008, ça a été ton grand retour avec le spectacle Urgence de vivre. Et le numéro où tu décrivais ton infarctus, il y a des gens qui sortaient parfois de la salle. Et là, vous allez voir dans les images, là, on a la preuve. Et je vous précise que c'est pas arrangé. Ça se passait véritablement comme ça. Tu sais que ça a pris une bonne 45 secondes, une minute, hein? Puis à un moment donné, ça a rentré. Oh non, 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 non. Il force, là, puis à un moment donné, on a entendu... Là, je me retourne, je vois la paille qui tient droit dans le poignet. Tant qu'il tient que ses mains, ça va bien, c'est quand il a l'âge, tu fais là, mets tes mains sur la paille, mets tes mains sur la paille, mets tes mains sur la paille. Il me dit, là, je me retourne, il dit, écoute, il file-tu mal? J'espère que non. Hein. C'est parce que là, c'est un numéro... Ah non, j'ai arrêté le numéro en plein milieu. On fera un montage. C'est parce que je voulais pas le dire au début. J'avais peur de faire peur aux bombes. Mais à chaque fois que je fais ce numéro-là, depuis 6 mois, il y a du monde qui perd connaissance. Mais... J'avoue, c'est un numéro-là. Mais moi, OK, je suis dedans. Moi, j'ai peur de plein d'affaires. Je pense que les gens le savent. Très hypochondriac. On est deux. Mais... Ah, toi aussi? Mais on s'accote, je pense. On oublie ce que... En même temps, je le prenais comme un compliment. Parce que Colin, les images doivent être assez précises parce qu'il voit. Et je me souviens, cette année-là, ça fait pas tellement longtemps, dans ça fait 2-3 ans, les techniciens les comptaient, c'est assez morbide, ça. Il y en a tombé 37 dans le show. Puis en ce moment, je fais torture et ça, il en tombe deux par soir, 2 ou 3. Pour un simple numéro de Pierre Aurin, là, je suis un peu dépassé. Mais bon, ceux qui l'ont vu comprennent à la maison. Mais ça doit être le beau que tu racontes quand t'as passe. Mais c'est pas autant qu'elle passe que je vais te donner une idée, c'est qu'elle passe pas. J'explique ce qui se passe.
intéressant. Mais vous, c'est le numéro... Vous dites aux gens avant. Vous allez venir, de toute façon. Oui. C'est le numéro... Ça rit, mais... Okay. Ça rit. Solide, quand même mais... bien qu'il y en aurait deux qui vont tomber. Et écoute, hier, il y en a une dame que c'est comme... Elle est tombée en avant, là, oui. Mais tranquillement, c'était beau, elle a fermé comme une huître. Ah, ouais. Donc, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est gracieux. Cet été, quand on a lancé le show à Place des Arts, il y en a un, l'ambulance, on a vu l'ambulance arriver, tu sais, quand on est dans les loges. Oui. J'entendais sirène. Là, je vois civière rentrer, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un de ma sœur. Puis là, le gars, il passe en civière. Je courais après, je sais qu'il y a. Ah, il dit à Pierre Aurin, oh, et chapeau, chapeau. Ah, chapeau. Oh, il dit, je suis venu. Hey, je savais plus quoi dire. Je vous remercie de votre présence et de votre générosité à tous les trois ce soir. D'abord, France Baudouin, on peut toujours regarder en direct de l'univers les samedis soirs, c'est à 19h. Et puis, je mentionne aussi la Fondation Maurice Bertrand. Oui, c'est gentil, merci. Tu es porte-parole. Oui, soins palliatifs pour ceux qui ont le goût de passer le dernier bout de vie à la maison. Alors, sociétédessoinspalliatifs.com pour avoir plus de détails sur cette fondation. Merci beaucoup, merci. France Baudouin. Merci, France. Donc, qu'on pourra revoir au théâtre? 28 février au 24 mars, au Théâtre de la Bordée à Québec. C'est une coproduction avec le Théâtre du Nouveau Monde, avec Louise Marleau, qui joue Jocaste, et moi, je joue la gouvernante. Alors, une pièce de Nancy Houston. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Monique Mercure. Vraiment, ça a été un immense moment de vous recevoir. Incroyable. Et finalement, Jean-Marc Parent qui poursuit la tournée Torture. C'est jusqu'en 2013. Tu te promènes partout, partout en province. Et il y aura un événement bénéfice pour venir en aide à Haïti. Oui. Au mois de mai prochain, c'est ce qu'on me dit. Le c'est 22 mai. Oui, au Théâtre des Deux-Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis bien sûr, il y a l'événement JMP cet été pour les 30 ans de Juste pour rire. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Marc Parent. Alors, merci à vous. Merci à toute l'équipe des enfants de la télé. Merci à toi. Merci, Marie. Un gros merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye-bye. Merci. Oh, ouais, let's go. On répétait à l'UQAM l'après-midi dans un local de classe. Puis c'était Whitney qui prenait le livre de ça. T'sais, je dis, Whitney, t'es sûr? Je pèse 200 livres, moi. Hey, il dit, gars, cinq des techniques, ça, cinq des techniques. Je dis, OK, puis il y en a un qu'on voit pas. Il me prend dans les airs, puis il me tourne de même. Ouais. Donc, ça va être... Et pour pratiquer ça, on montait debout sur un pupitre de bois. Puis je me laissais tomber sur lui, mais c'est mon ben bon chum, je le procède. Vos tests de confiance. Ben ouais, fait qu'effectivement, je me laisse tomber, il m'échappe, mais d'un boîte, d'un table. Je suis tombé la table, ah, je cassais le dos de même. Puis je criais, mais oui, j'avais plus d'air, j'étais à terre, puis lui, il riait tellement, puis lui, il y a un gros rire. Il était crampé, tu sais, tu fais mal, je sais pas, d'après toi.